Bonjour. Maintenant, on va apprendre la partie 10, la dernière section de la danse, tout le monde ensemble. Donc, on vient tout juste de finir la section 9 avec notre saumon et on vient de marcher n'importe où dans l'espace avec notre saumon. Ça a commencé 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on va commencer la partie 10 sur le 8. On va imaginer qu'on a la balle d'énergie qui revient et on va la passer d'une main à l'autre. Donc, on va la passer vers la gauche en premier, ensuite vers la droite, vers la gauche, vers la droite. Ça, c'était 4 passes. Ensuite, quand on la repasse vers la gauche, on va aller plus haut, juste en haut de la tête. Et on va continuer de la regarder. Et encore une fois, on va en faire 4. Et on va essayer de la lancer d'une main à l'autre et de la regarder. On vient de finir le saumon. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Donc, on va y aller du saumon tout le monde ensemble. Donc, on vient de frapper les mains. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, à côté de la tête. 4, en haut de la tête. Et dernier. Super. Maintenant, on vient de finir notre balle d'énergie. On va utiliser notre main droite et on va faire une vague vers la gauche. Et on va faire une vague vers l'arrière avec les deux mains. Chou! On réessaie ça, on fait une vague juste avec la main droite. Et ensuite, on revient avec les deux bras. Une dernière fois, on fait une vague vers la gauche avec la droite. On revient droit, gauche. Super. Donc, on va compter ça. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on va faire un saut de la version de Kim de la section 8. On va faire un saut vers l'avant et on va mettre notre pied sur le plancher directement après. Ensuite, on va aller sur la droite pour aller très bas et notre jambe gauche va être croisée derrière la droite. Super, on va coter ça ensemble. On fait la vague 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. On va essayer ça de la balle d'énergie. On vient finir notre saumon. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 6, 7, 8. Vague, vague. On va vers l'avant, vers l'arrière. Très bien. Maintenant qu'on fait la balle d'énergie, on fait aussi des pas vers l'arrière. Donc, on va commencer avec la gauche. On va juste la lever et la remettre en arrière. La lever, faire un petit cercle pour aller vers l'arrière. Donc, on va essayer ça avec les bras et les jambes. 7, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien. On va maintenant faire un mouvement qui ressemble à si vous aviez un grand pashmina, un beau pashmina, et vous le tenez des deux mains, et c'est dans votre dos. Et on va vraiment danser avec notre pashmina et le rendre le focus. Donc, on est ici. Et ce qu'on va faire en tournant, on va simplement sauter sur la jambe droite et aller mettre nos petits orteils sur le plancher en avant de nous. On va changer, on saute. On tape, on saute, on tape, on saute, on tape. Très bien. Maintenant, on va faire ça en tournant vers la droite. Et chacune des tapes va être vers le mur. Donc, vers le mur droit, vers le mur d'en arrière. Et on alterne les pieds, la gauche et la droite. On essaie ça d'ici. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et comme vous pouvez voir, on a un petit saut à toutes les fois. On essaie ça, on finit le saumon. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et vague, vague, en avant, en arrière, tape et tape et tape. Et on va finir la dernière très vite. On va aller croiser nos bras, comme on a fait dans la version de Jenny. On va maintenant aller sur une jambe, sur la jambe gauche, et on va avoir notre jambe droite flex, et elle va toucher l'arrière du genou gauche. On va avoir des bras. Donc, d'ici, mon bras droit va aller sur ma hanche,
en point. Et mon bras gauche va être en l'air, plié. Et on va essayer d'y rentrer vers l'intérieur, comme ça. Super. Donc, on essaie ça. On va croiser. On ouvre. Et on arrive dans cette position-ci. On essaie encore une fois. On croise. On amène le pied, on ouvre les bras. Et on ferme tout ensemble. Super. On va essayer ça. Tout le monde ensemble. Du saumon. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Vague, vague. En avant, en arrière. Saute et saute et saute. Et 8 et 1. Donc, ça va aller très vite. 8 et 1. Encore une fois. 8 et 1. C'est ça. Super. On va essayer ça un petit peu plus vite. Du saumon. 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7, 8. 1, 2, 4, 6, 8. 1, 2, 4, 6, 8. 1, 2, vague. En avant, en arrière. Tap et tap et tap. Tap, 8 et 1. Super. On va essayer ça avec la musique maintenant. 5, 6, 7, 8, 1. Donc, maintenant qu'on vient de finir cette partie-là de la section 10, on va maintenant, tout le monde, créer un grand cercle. Donc, on va prendre 4 comptes pour rester en balance ici. 1, 2, 3, 4. Mais on va marcher sur la droite et gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Droite, gauche. Et ça va être une marche très naturelle en autant qu'on commence tout le monde avec la jambe droite. Donc, on va commencer d'ici. 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Graduellement. On va continuer nos marches et on va commencer à tout le monde faire un grand cercle, à se tenir les mains. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vous pouvez voir ça très clairement dans notre vidéo complète. On va faire un grand cercle, tout le monde ensemble. Et avec ces marches-là, on va tout le monde se tenir les mains. On va continuer le rythme de nos marches. Ensuite, quand on entend le changement dans la musique, on va commencer à faire 2 cercles. Donc, des personnes du cercle complet vont commencer à faire un cercle intérieur. Donc, on va avoir un double cercle maintenant. Et au lieu de continuer nos marches rapides, on va aller dans des marches naturelles très lentes. Donc, on va juste marcher beaucoup plus lentement, des marches normales, régulières, pédestriennes. Donc, on va écouter ça avec la musique. Et à la vraiment fin, on entend la chanson qui commence à augmenter. Et à ce moment-là, tout le monde, on va faire face à l'intérieur du cercle. Et on va aller chercher de l'énergie et on va l'attraper. Et ensuite, on va aller la donner à quelqu'un dans le public pour finir cette chorégraphie-là. Donc, on va recommencer. On vient de finir 8 et 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On commence à se rapprocher. 5, 6, 7, 8. On tient la main. On fait un grand cercle tout le monde ensemble. 5, 6, 7, 8. Un dernier 7. 5, 6, 7, 8. Maintenant, quelques personnes du cercle extérieur vont former un cercle intérieur et on va tout le monde marcher pédestriennement. Le cercle extérieur va continuer dans la même direction. Donc, on va aller dans une direction contre l'aiguille d'une montre. Et le cercle intérieur va aller de l'autre côté, donc du côté d'une aiguille d'une montre. Et on va tout le monde marcher jusqu'à ce qu'on entende la musique qui augmente. On va tout le monde aller chercher notre énergie, on va l'attraper et on va la donner à quelqu'un dans le public. Donc, on va essayer tout ça, toute la partie 10, et on va finir la chorégraphie tout le monde ensemble. On va faire, puisqu'on est juste trois, on va faire ça sur place, mais prenez note qu'on va faire tout le monde un grand cercle ensemble, comme vous pouvez voir dans la vidéo complète. Donc, on va essayer ça sur place, tout le monde ensemble, du saumon, avec la musique. 5, 6, 7, 8, 1, 2.
On fait maintenant un cercle, on se tient la main. Droite, gauche, droite, gauche. Cercle intérieur de l'autre côté, tout le monde en marche. La musique monte, attrape et on donne à notre public. Et c'est la fin de la chorégraphie. Bravo à tous!